La certification et la protection des produits du terroir sont une priorité pour le gouvernement du Burkina Faso. Porté par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le département a entamé un processus de labellisation de certains produits du terroir, tels que le faso d'Amfani, le chapeau traditionnel de Saponé, le pain indigo Koko Donda, pour ne citer que ceux-ci. Ces produits sont estampillés du label selon des critères bien définis. Quand vous prenez un pain labellisé, les dimensions n'est pas à douter, ça atteint, ça fait 1,90 m, par moment même on va 1,92 m pour minimiser les rétrécissements. La contexture du tissu doit être bien tissée, bien serrée et la largeur, soit c'est en largeur de 30 cm de large la bande ou 40 cm de large et ou carrément. Et pour ceux qui utilisent les grandes largeurs, les métiers à quatre pédales, ça fait 120 mètres de large. Donc, quand un pain répond à ces critères et que la structure a reçu l'agrément, vous ne doutez pas de la qualité du pain que vous prenez. Le processus de labellisation du pain indigo Koko Donda est à son terme. Nous sommes à Bobo Dioulasso. Minata Sano est promotrice de ce type de pain. Pour elle, c'est du pain béni. Il permettra de protéger le travail de ces braves teinturiers, puisque pour arriver à cette étape où nous sommes, il a fallu faire un regroupage de certains motifs qui seront typiques du territoire. Donc, indépendamment de ça, il sera un peu difficile pour certaines personnes de faire de la contrefaçon, d'exporter de la contrefaçon sur le territoire national. Donc je pense que c'est une très bonne idée, une très bonne initiative du gouvernement qui est source de revenus de beaucoup de familles. Autre produit, même appréciation des promoteurs. Le chapeau traditionnel communément appelé chapeau de Saponé sera désormais reconnaissable par un logo apposé à l'emballage. La labellisation des chapeaux de Saponé est vraiment à saluer parce que d'abord ça donne une autre qualité de la chose, un autre visage, un autre regard tant sur le plan national qu'international. Et la labellisation va permettre de contrer la mévente, la contrefaçon, voilà, puisque dorénavant il y aura voilà, une étiquette qui sera estampillée sur le chapeau de Saponé, voilà, gage d'une production qualifiée. Donc aussi, et ça va permettre aux producteurs que nous sommes de voilà afin que le produit puisse vraiment nourrir son homme. Madame Comparé est venue s'acheter des pains façon d'Amfani estampillés du label. En tout cas, avec les pains labellisés là, on trouve que le montant est un peu augmenté. Mais comme il y a la qualité et puis il y a une garantie, il y a même pas de problème. On trouve que ça peut aller. En décidant d'estampiller des produits du terroir du label, le gouvernement veut apporter une plus-value à la qualité de ses produits, négligés au détriment des contrefaits. Les différents acteurs de ces produits de terroir font face à une concurrence rude et atroce. Et sans oublier la contrefaçon de ces produits qu'on constate au niveau national. La labellisation renvoie à quoi? C'est un terme qui découle de label, qui est un système de marquage sous forme d'étiquette qui est conçu et destiné à être apposé sur les produits pour garantir au consommateur que le produit qu'il a en face revêt une certaine qualité comparativement à d'autres types de produits équivalents sur le marché. Le gouvernement a pris des dispositions nécessaires pour une meilleure sécurisation et la traçabilité du label. Nous avons intégré dans le processus de labellisation un système de traçabilité, un système de sécurisation à double niveau. Premièrement, au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, soit sous forme de marque collective ou sous forme d'indications géographiques, comme pour le chapeau de Saponé. Et au-delà de cette protection, au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui donne des droits à l'État burkinabé sur ces labels créés et qui donne l'autorisation à
toute personne qui désire et qui accepte de respecter les conditions édictées et au départ peut l'utiliser. La labellisation est un emprunt qui facilite l'accès de ces différents produits au marché national, régional et international. C'est aussi un catalyseur d'accroissement des revenus socio-économiques des producteurs.